Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information Lumière de l'info. Ici, nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales. Nous vous prions juste d'être courtois et polis. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information. Merci et bon visionnage. Présence de Wagner au Burkina Faso, Ouagadougou en accueil. Le président ghanéen, M. Nana Akufo-Addo, a affirmé que les mercenaires de Wagner ont été déployés dans le pays en échange d'une mine. L'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, M. Boniface, a été convoqué à une audience urgente ce vendredi matin au ministère des Affaires étrangères, suite aux propos du président ghanéen, M. Nana Akufo-Addo, qui a assuré que le Burkina Faso a passé un accord avec le groupe de sécurité privée russe Wagner, a rapporté l'agence d'information du Burkina Faso. Elle a ajouté que Ouagadougou a également rappelé son diplomate à Accra, le général Pinkrenoma Zakri, pour consultation. Ce mardi, en marge du sommet États-Unis-Afrique, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui rencontrait le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, s'est inquiété de la présence des forces du groupe russe de sécurité privée Wagner au sud du Burkina Faso, à la frontière de son pays. Aujourd'hui, les mercenaires russes sont à notre frontière nord. Le Burkina Faso a maintenant conclu un arrangement avec le Mali pour que les forces Wagner présentes dans son territoire puissent intervenir au Burkina Faso, a déclaré M. Nana Akufo-Addo. La possibilité de faire appel à Wagner pour aider le Burkina Faso en proie à des attaques djihadistes depuis 7 ans anime depuis plusieurs mois des débats et a valu des mises en garde des partenaires occidentaux. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré jeudi que le gouvernement burkinabé était pleinement conscient des risques de travailler avec des mercenaires du groupe russe Wagner après la sortie du président ghanéen. En ce qui concerne Wagner, notre message est bien connu. Wagner s'est indigué en Afrique par une politique de prédation, une politique de pillage qui porte atteinte à la souveraineté des États. La milice Wagner s'est particulièrement distinguée au Mozambique, en République centrafricaine et au Mali. Cela est évidemment connu des autorités burkinabées, a indiqué le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Madame Anne-Claire. De retour d'un déplacement du Sahel, la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland avait pourtant déclaré en fin octobre dernier que le président burkinabé, M. Ibrahim Traoré, n'avait pas l'intention de faire appel au groupe paramilitaire russe Wagner. Jusque-là, il n'y a aucune information officielle concernant un accord entre le groupe et le Burkina Faso, même si le premier ministre Apollinaire Quilem a été récemment en Russie. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis et vos requêtes en commentaire. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye.